J'avais pas armé ma caméra, je recommence. Donc, très rapidement, c'est inspiré de Van Allen, de I'm on fire, pardon. Hein. J'ai publié ça sur ma chaîne, transposé en tonalité de ré et pas de mi bémol. Donc, je monte d'abord le plan piqué sur toutes les notes. Voilà le premier plan. Qui démarre ainsi. Le deuxième plan qui démarre dans do. Et le troisième plan sur lequel on va s'arrêter, qui démarre dans Ré mineur. Donc c'est intéressant parce qu'on joue déjà des séquences un peu modales. Et ça, c'est du Do majeur. Et la première séquence. Alors le principe, c'est piquer. Donc, pique, hammer. Deuxième corde, le corde suivant, même chose. Et la troisième séquence, c'est le plan qu'on a travaillé en pentas juste avant. C'est-à-dire pique, hammer, pull off, hammer. Quand on sépare les trois exercices, c'est plus facile évidemment. Mais il faut les coller. Pardon. Je l'ai pas. Je viens. Ouais, son legato est bien, hein. On sent qu'il a beaucoup travaillé, quoi. Hein. Il est mieux que le mien, quoi. Tu moi, fais, je l'ai pas, tu la passes, tu le fais plus lentement. C'est parce que t'as pas les bons droits. Je te conseille plutôt que. Lui, fait ça. Mais les hammer-on sur le petit doigt, c'est pas génial. Donc il faut. Oui, je me sens le petit moment. Oui, et. Ici, mes petits. Volume, volume, volume. Oh putain. Je ne l'ai pas encore. Et tu veux aller trop vite? C'est bon, donc en fait, ce qui me manque encore, c'est les hammers sur les notes les plus à droite là. Ouais. T'as encore un peu de mal. Ouais. Je connais pas bien le schéma. Rien, tu vas le travailler. Ok, ça viendra.